Bonjour à tous, je vais vous parler d'agriculture de précision. L'agriculture de précision est née il y a environ 10 ans. Elle a commencé grâce à des systèmes GPS entourés de capteurs. Les systèmes GPS permettent notamment de guider le tracteur dans le champ et de repérer la position en temps réel dans le champ. Suite à cela est arrivée la coupure de section, c'est-à-dire d'optimiser la répartition des intrants dans les zones du champ pour éviter ainsi de remettre des intrants s'il y en a déjà eu dans une partie du champ. Par la suite, la modulation est apparue. La modulation, c'est en fait d'apporter la bonne dose au bon endroit, au bon moment du champ. Ceci en fonction de l'état de la plante, mais aussi de la typologie des sols. Suite à cela, la télémétrie est arrivée. La télémétrie permet de repérer sur un ordinateur la position en temps réel des tracteurs de l'exploitation, ainsi que quelques données présentes sur ces tracteurs, c'est-à-dire la vitesse, la consommation de carburant par exemple. S'en est suivi la documentation, qui est en fait agrégée les différentes données des capteurs présentes sur la machine et sur l'outil, pour aller les ramener dans une plateforme et connaître toutes les données relatives aux interventions effectuées. Merci pour votre attention et à bientôt.